Monsieur le Président Issoufou, chers frères, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que vous avez bien voulu accepter d'effectuer en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de cette visite qui vient renforcer les relations, les excellentes relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Niger depuis l'époque de nos premiers présidents, le président Amani Diori et le président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais profiter de votre présence à Abidjan pour me féliciter de l'exemplarité des relations de coopération qui unissent nos deux pays, ainsi que du comportement remarquable, et je tiens à le souligner, de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire, tout comme son importante contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais également vous féliciter pour les résultats obtenus par le Niger sous votre haute autorité dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que pour votre implication personnelle dans le renforcement de l'intégration économique sous-régionale et continentale. Monsieur le Président, nous sommes en admiration devant les résultats obtenus au Niger, malgré la situation qui indique les voisins où il y a des conflits autour de votre grand pays. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien très fructueux avec nos collaborateurs, au cours duquel nous avons réaffirmé notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays. En effet, en dépit des importantes potentialités qu'offrent nos deux pays, le volume des échanges demeure très faible, et cela, nous l'avons déploré. Nous sommes donc accordés sur la nécessité de dynamiser ces échanges à travers l'identification de secteurs d'échange prioritaires tels que l'agriculture, l'élevage, le transport, ainsi que la promotion des investissements dans nos deux pays. À cet égard, nous invitons le gouvernement et la population nigérienne à s'approprier le port autonome d'Abidjan et le port sec de Ferke-Sédougou, dont les travaux débuteront très prochainement, afin de bénéficier de leurs extraordinaires atouts. Nous sommes également convenus d'œuvrer à la mise en place d'un instrument de coopération moderne et ambitieux pour dynamiser la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Enfin, nous avons décidé du renforcement de la coopération sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité, et nous avons souhaité bénéficier de votre expérience et de la réussite de votre stratégie en la matière. Monsieur le Président, chers frères, nous avons fait un tour d'horizon de la coopération continentale et multilatérale. Je voudrais vous réitérer mes félicitations pour le rôle important que vous jouez pour parvenir à l'entrée en vigueur de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, dont vous êtes le champion désigné par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Plus de 22 pays ont déjà ratifié l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, qui entrera donc officiellement en vigueur, j'espère, lors du prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine que vous m'avez indiqué qui pourrait avoir lieu au mois de juillet 2019. Je voudrais également vous féliciter en tant que coprésident de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, qui comprend le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, pour le travail important que vous avez accompli en faveur de l'avènement de cette monnaie unique qui nous tient tant à cœur
aussi bien le Niger, les autres pays de l'UEMOA que, bien sûr, toute la sous-région. Nous avons aussi abordé la situation sociopolitique et les foyers de tension préoccupants en Afrique, notamment tout près au Bénin, et aussi en Guinée-Bissau, en République centrafricaine, en Algérie, malheureusement également donc au Togo et au Soudan. Nous avons, donc ça fait tout de même beaucoup de foyers de tension et nous aurons l'occasion d'approfondir nos réflexions et nos propositions sur ces différents cas. Et je voudrais donc vous dire que la situation de la CEDEAO, la situation sécuritaire à la CEDEAO et au Sahel a également fait l'objet de nos entretiens, notamment la multiplication des attaques dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest et la nécessité pour nous, au sein de la CEDEAO, de mieux mutualiser nos efforts et nos moyens pour pouvoir combattre ce terrorisme. À cet égard, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour les conclusions du sommet conjoint G5 Sahel-Allemagne du 1er mai 2019 à Ouagadougou. La Côte d'Ivoire apportera son soutien à travers le déploiement en septembre 2019 d'un bataillon de 650 soldats au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Nous continuerons également de plaider pour un engagement plus fort des Nations Unies à travers une résolution sous chapitre 7 pour les interventions de la MINUSMA. Nous avons eu l'occasion d'insister sur ce point en décembre dernier lorsque j'ai présidé le Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, pour terminer, je voudrais à nouveau vous remercier pour avoir pris le temps de venir nous rendre visite en tant que frères et en tant qu'amis. Je vous réitère la volonté de la Côte d'Ivoire de dynamiser, de diversifier et de renforcer la coopération entre nos deux pays. Nous continuerons de travailler ensemble au renforcement de l'intégration régionale et continentale. Et je vous dis encore un grand merci d'être venu avec une si forte délégation dans le pays qui est le vôtre. La Côte d'Ivoire et le Niger forment un seul pays, comme nos premiers présidents ont eu l'occasion de le démontrer. Soyez le bienvenu chez vous. Merci, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président, je voudrais à mon tour vous remercier. Remercier le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé depuis notre arrivée ici à Abidjan. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, vous féliciter pour votre leadership, parce que sous votre direction, la Côte d'Ivoire connaît une situation macroéconomique stable, notamment un taux de croissance économique quasiment à deux chiffres. Ma présence ici est un symbole fort de notre volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de coopération qui sont vieilles de plusieurs décennies. En effet, sur le plan politique, l'axe Niamey-Abidjan a toujours été un axe solide, et ce depuis le combat commun pour les indépendances. Les liens d'amitié légendaires entre les pères fondateurs de nos deux nations sont bien connus. Et d'ailleurs, ces liens, on les constate à travers certains symboles
de la représentation nationale comme nos deux drapeaux, qui sont composés des mêmes couleurs, orange, blanc et vert, disposés verticalement pour la Côte d'Ivoire et horizontalement pour le Niger. Cela est la preuve de la complicité qui existait entre le président Houphouët et le président Diori Amani, qui sont deux grandes figures qui nous ont légué un héritage politique important, fondé sur la fraternité, sur la solidarité et surtout sur le dialogue, la culture du dialogue et de la paix. Et c'est autant de valeurs d'ailleurs sur la base desquelles ils avaient mis en place la première organisation d'intégration du continent, le Conseil de l'Entente. Et je constate, Monsieur le Président, que nous avons, nous aussi, la volonté d'entretenir et de vivifier cet héritage des pères fondateurs. Cela est illustré d'ailleurs à travers les actions que nous menons ensemble au sein des institutions d'intégration comme l'UEMOA, comme la CEDEAO, comme la SECNA, la CENSA de l'Union africaine. Monsieur le Président, je dois dire que votre contribution personnelle à la promotion de l'intégration au sein de ces différentes organisations est très appréciée. Je vous félicite pour votre leadership dans ce domaine. Et ma présente visite a été, comme vous l'avez dit, l'occasion d'aborder un certain nombre de questions avec vous d'intérêt multilatéral et d'intérêt bilatéral. Nous avons évoqué les questions de sécurité, les menaces auxquelles nos pays sont exposés, menaces des organisations terroristes, menaces des organisations criminelles, de trafic de drogue, de trafic des armes, menaces intercommunautaires qui sont des menaces stratégiques qui peuvent mettre en danger la survie de nos États, en particulier dans la région du lac Tchad et dans la région du Sahel. Nous avons également évoqué les questions d'intégration, en particulier en rapport avec la zone de libre-échange continental. Et nous réjouissons de ce que les 22 ratifications nécessaires pour que l'accord de libre-échange continental entre en vigueur soient obtenues. Et donc, nous lancerons probablement au prochain sommet de Niamey de l'Union africaine la zone de libre-échange continental. Et nous devons continuer à mettre l'accent sur les autres plans et programmes de l'agenda 2063 de l'Union africaine, puisque c'est bien d'avoir une zone de libre-échange continental, mais il faut avoir des choses à échanger. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on développe les industries dans nos différents pays. On dit souvent que l'Afrique est riche de ses matières premières. Moi, je dirais que l'Afrique est malheureusement pauvre de ces matières premières, parce que tant que ces matières premières ne sont pas transformées, tant qu'on ne s'industrialise pas, on continuera malheureusement à être confronté aux problèmes de pauvreté et surtout aux problèmes de sous-emploi de nos jeunes qui se livrent à la migration clandestine avec des risques de mort dans le Sahara ou en Méditerranée. Tout cela peut être surmonté si nous arrivons à développer le continent à travers ces différents plans de l'agenda 2063, que ce soit la zone de libre-échange continental, le plan de développement industriel de l'Afrique, le plan de développement des infrastructures en Afrique et le plan de développement agricole de l'Afrique. Au niveau de la CEDEAO, nous avons évoqué la question de la monnaie unique, des infrastructures énergétiques, ferroviaires, comme la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou et Abidjan. S'agissant de la monnaie unique, nous devons, Monsieur le Président, accélérer la mobilisation des ressources pour le financement de la feuille de route de cette monnaie unique, la nomination des membres de gestion de ce fonds et les autres activités qui sont prévues au niveau de la feuille de route. C'est un dossier, je sais, qui vous tient beaucoup à cœur. Nous allons continuer à donner les impulsions nécessaires afin que cette monnaie unique soit une réalité
afin de renforcer les échanges au sein de la CEDEAO, puisque nous avons actuellement moins de 15% de nos échanges qui sont intra-CEDEAO. C'est très faible. Et un des obstacles, c'est la diversité des monnaies. Il faut unifier notre monnaie, nos monnaies. Cela permettra de donner un coup de fouet au développement des échanges. Sur le plan bilatéral, Monsieur le Président, il est important qu'on dynamise la commission mixte et qu'on renforce nos échanges qui sont à un niveau très faible. Et nous avons proposé un certain nombre de projets que nous souhaitons voir adoptés, comme le protocole d'accord de siège de la représentation du Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, le projet d'accord aérien, le projet de protocole de coopération dans le domaine de la gestion des ressources humaines, le développement du corridor, on en a parlé, entre Abidjan et Niamey, à travers le prolongement du chemin de fer Abidjan-Kaya et l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. La promotion des investissements privés également doit être envisagée afin que nos différents citoyens puissent investir dans nos deux pays. Monsieur le Président, les échanges, comme je l'ai dit, entre nos deux pays ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. En 2017, par exemple, le montant des exportations et des importations entre le Niger et la Côte d'Ivoire sont de 32 milliards pour les exportations donc de la Côte d'Ivoire vers le Niger et à peine 8 milliards pour les exportations du Niger en direction de la Côte d'Ivoire. Nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer, développer ces échanges. Monsieur le Président, je n'ai aucun doute sur les résultats fructueux de nos entretiens sur tous ces sujets, connaissant votre expertise sur les questions économiques et monétaires, ainsi que votre engagement en faveur de l'intégration régionale et le développement économique et social du continent. Je voudrais aussi, pour terminer, vous féliciter, Monsieur le Président, pour le rôle éminent que la Côte d'Ivoire joue au sein du Conseil de sécurité depuis 2018. Sur la période 2018-2019, vous êtes en train d'apporter une contribution très importante et surtout votre présence a permis de défendre les positions africaines au sein du Conseil de sécurité. Et je voudrais vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté par rapport à la candidature du Niger. D'abord, déjà, au sein de la CEDEAO, vous avez soutenu la candidature du Niger et au sein de l'Union africaine, vous avez fait la même chose afin que le Niger puisse occuper un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2020-2021. Donc, on va succéder pratiquement à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre accueil. Merci. 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 Merci.